Et nous avons avec nous un invité de marque, un invité d'honneur. Pour moi, venir ici, c'était un grand plaisir d'abord personnellement. Avoir une séance comme la Semaine africaine des sciences au Niger, c'est quelque chose que j'aurais voulu avoir moi-même. Donc c'était absolument inconcevable que je ne puisse pas y être et ne puisse pas y participer. À l'écoute de ce que le professeur Cissé vient de dire, je suis donc rassuré qu'il y aura certainement des collaborations et des contacts entre les collègues d'ici et les autres collègues d'Afrique et du Niger qui se trouvent un peu partout à travers le monde. T'as une série de d'entrées qui existent dans le même système. Qu'est-ce qui se passe? L'espace. C'est facile en général l'espace parce que soit on a assez d'espace pour exécuter un truc ou pas. Donc ça c'est une réponse oui ou non. On ne peut pas tout comprendre en observant. Là, c'est pas comme les plantes qu'on veut toucher. Si on dit le fond d'une rivière, on ne peut pas aller toucher ce fond d'une rivière. Si on part à l'eau souterraine qui est tout en bas de l'eau, jusque là, aucun homme n'est encore entré dans le sous-sol pour savoir ce qui se passe. Donc, il y a deux, finalement, il y a deux méthodes pour le faire. On peut passer par des mesures. Il y a beaucoup de gens qui ont compris que, bon, le miel, la solidité de faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on sait que les sols sont fertiles? Everybody will know his place in religion, in the society, and in the jobs. La première chose à faire en fait, c'est de tout enlever et d'être sûr qu'on a toutes ces parties 1, A1, A2, A3, toutes les parties qu'on a. Si vous arrivez là, c'est quelle partie Première partie. B3. 1. Vous pouvez enlever. 2 et 3. C'est aimanté et c'est ensemble. Et si vous regardez là, vous voyez aussi il y a des points blancs. Donc la partie perforée doit aller vers le point blanc. Quand on bouge comme ça, ça élève et c'est ce qu'il est en train de faire. Quand ça élève, ça change la distance entre l'optique et le sujet. Et ça, c'est ça qui permet de se focaliser à différents endroits.